béton d'archi, un enduit décoratif effet béton. Donc c'est un revêtement mural d'intérieur que vous pourrez placer dans l'ensemble des pièces de votre habitation. C'est un enduit qui sera décollable à la décolleuse vapeur. On ne travaillera jamais le produit blanc. Hein, il sera toujours teinté dans la masse avec des pigments naturels. Donc 6 nuances de gris avec leur correspondance à côté blanchie, donc avec le fameux voile blanc. La finition principale de base, et c'est ce que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle la finition lissée. Ensuite, on a possibilité de réaliser donc des effets supplémentaires. Vous aurez l'effet peigné. Donc là, à partant de la finition lissée au préalable, on viendra avec un peigne faire un effet paillé, un effet cordé dans la masse sur un produit qui est frais. Vous avez donc la finition striée, donc qui sera réalisée avec un outil à strier, une taloche avec une monolame. Vous avez l'effet picot qui sera réalisé avec un rouleau à picot. Donc sur les gris, vous avez quatre possibilités: du lissé, le peigné, le strié et le picot. Ensuite, bien sûr, on va pouvoir avoir la même chose au niveau des effets colorés. Vous avez 20 possibilités de couleurs, hein, qui vont des couleurs tendance à des coloris un peu plus vives, pour faire des associations de couleurs, notamment avec les gris. Et bien sûr, chacune des 20 couleurs pourra être déclinée dans les 4 effets. Et bien sûr, chaque effet dans les couleurs pourrait être à son tour blanchi. Le voile blanc va servir à faire un effet de céruse, un effet de vieillissement, de blanchiment. Il faudra toujours mettre donc la finition de protection, hein, qui donnera un aspect ciré, hein, qui a pour rôle de rendre imperméable, lavable l'enduit.